le comité olympique, nous organisons des réunions régulières d'aide aux associations sportives et nous répondons aux sollicitations des municipalités et notamment à Sainte-Maxime. Le but, c'est de former et d'aider les responsables associatifs auxquels on demande de plus en plus de compétences. Et pour gérer une association, il y a des formalités administratives à connaître, des responsabilités aussi à assumer et des règles du jeu à respecter au niveau du fonctionnement notamment. Et ils ont énormément besoin de formation par rapport à ça pour pouvoir faire fonctionner au mieux leurs associations. Et ça, ça vous permet d'avoir un document lorsqu'il n'y a que des indemnités kilométriques pour que ce soit... Vous avez 5 tables rondes avec 5 thèmes différents qui sont proposés. Les thèmes ont été choisis par les associations. Ils ont choisi les plus intéressants pour leur fonctionnement, pour avoir un maximum d'informations et de pouvoir aider au fonctionnement de leur association. Le fait de circuler entre différentes tables justement permet d'aborder des sujets de manière plus précise et personnalisée, donc toujours dans l'esprit d'être plus efficace face aux problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien pour une association. C'est vrai que dans une association, on manque pas mal d'informations. On est vraiment des bénévoles qui arrivent un peu par-ci par-là. Et en fait, pour nous, c'est important pour les coachs de savoir quelles sont les formations qu'on pourrait avoir, les aides, ce genre de choses, pour nous aider justement à subvenir à l'association. Cette rencontre aujourd'hui, ces ateliers, permettent peut-être d'améliorer la perception qu'ont les responsables des associations de ce monde associatif assez complexe. Donc c'est toujours très agréable de pouvoir les sensibiliser à leur fonction de bénévole, puisque ça s'appelle comme ça, je le rappelle. Toujours on a tendance à oublier, ils portent beaucoup de responsabilités, ils le font de manière bénévole et très engagée. Donc moi je suis très heureux quand des initiatives comme ça sont prises sur la commune.